Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako, 21h à Pékin en Chine. Le journal Bourama Traoré. Les titres. Le troisième pouvoir chez le quatrième pouvoir pour parler d'une préoccupation commune, l'ampleur de la cybercriminalité. Le procureur du pôle chargé de la lutte contre le phénomène était face à la presse pour un exercice d'explication et de mise au point. En RDC, la Cour constitutionnelle confirme la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2023. Il remporte le scrutin avec plus de 73% des voix. Le chef de la diplomatie chinoise entame ce jeudi une tournée africaine. Wang Yi se rendra dans 4 pays pour parler de la coopération bilatérale. Ce sera l'acte du jour. Le président de la transition remet dans moins de 3 heures le drapeau national aux aigles du Mali en route pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Dans le cadre de cette compétition, gros plan aujourd'hui sur le groupe B. La chronique judiciaire revient avec une nouvelle voix et un nouveau style. Le premier numéro de ce jury s'intéresse à la portée de la rentrée des cours et tribunaux, une cérémonie solennelle qui débat des défis de la corporation et de la société devant le premier magistrat du pays. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité. Une édition que nous ouvrons avec cette question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, à savoir la cybercriminalité. Entendez par là toute infraction commise à l'aide des outils numériques. Un phénomène très présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et fait l'objet de plaintes. Le pôle de lutte contre la cybercriminalité en a reçu plus de 300 entre juillet 2023 à ce jour. Le procureur de ce pôle était hier devant la presse pour expliquer la mission de sa structure, souvent méconnue ou mal comprise par bon nombre de personnes. Ses éclairages dans ce compte-rendu signé est Khadija Toukoné. La question de la cybercriminalité est un réel problème au Mali. L'absence de texte de réglementation avait suscité une dépravation sur la toile. C'est pourquoi le gouvernement du Mali, dans sa stratégie de lutte contre la cybercriminalité, a mis en place toute une loi en 2019. Et c'est en 2022 qu'un pôle de lutte contre la cybercriminalité a été créé. Et depuis, un véritable toilettage a commencé pour mettre un frein à certaines dérives sur les réseaux sociaux, ce qui fait couler aujourd'hui beaucoup d'encre et de salive. Le procureur du dipôle était ce mercredi devant les journalistes pour donner d'amples explications. Dr Adama Koulibaly, procureur du pôle de lutte contre la cybercriminalité. Le rôle de ce pôle en réalité est tout simple. Il s'agit juste de réguler le cyberespace. La cybercriminalité peut être définie comme étant toute infraction pénale destinée contre les outils numériques, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ou les infractions commises à l'aide de ces moyens-là. Les infractions sur le cyberespace peuvent en général être des atteintes à l'intégrité, à l'honneur de la personne ou même des atteintes aux biens. De juillet à ce jour, le pôle de lutte contre la cybercriminalité a enregistré plus de 332 plaintes et 28 ont été jugées. Comme quoi, la lutte fait ses effets. Les activités du pôle vont largement au-delà de la loi de 2019, puisqu'il y a la loi sur le régime de presse et le délit de presse, il y a la loi sur les échanges et services électroniques, il y a la loi sur les moyens, modalités et systèmes de cryptologie, il y a la loi sur les données à caractère personnel, il y a l'ordonnance sur l'autorité de régulation des postes et des télécoms. On a également les articles 264 à 271 du Code pénal. Cette fois-ci, il faut retenir qu'il y a une compétence qui va concerner la loi domaniale et foncière, la loi électorale et même le code minier, mais si et seulement si cela concerne la cybercriminalité. Avec ce pôle, nos compatriotes doivent savoir que tout ne se dit pas sur les réseaux sociaux. Comme on le dit, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Même dans sa conception la plus absolue, la liberté ne veut pas dire absence de limites. Et donc, qu'il s'agisse du cyberespace ou pas, tout ne doit jamais pouvoir se dire. Mais il y a parfois des gens qui pensent que nous sommes en train d'empêcher les gens de parler, de s'exprimer. Non, je vous rassure que ces libertés sont intactes. Et c'est seulement les excès ou en tout cas les propos de nature à inciter à la violence, à porter l'atteinte à l'honneur et à la dignité qui sont réprimés. Des questions ont été également posées sur la gestion des cas hors du Mali. Et le procureur répond. Les cas hors du Mali, ça n'est pas le propre seulement de la cybercriminalité. Il y a ce qu'on appelle la coopération judiciaire,
Cela peut concerner les actes terroristes, cela peut concerner les infractions économiques et financières, les infractions commises sur le cyberespace, même à l'étranger, qui peuvent avoir des effets sur le territoire de la République du Mali. Et donc, c'est dans le cadre des accords et de coopération, à la suite soit de conventions, de traités internationaux, ou même des accords de coopération au niveau bilatéral, que nous pouvons solliciter l'aide, l'appui et l'assistance d'autres pays. En tout cas, d'importants dispositifs de sécurité sont déployés pour dissuader les acteurs de la cybercriminalité. Et lors des échanges avec les journalistes, le procureur Koulibaly a soutenu que l'émergence du Mali tant souhaitée par les autorités ne saurait avoir lieu sans l'accompagnement des hommes de médias. Oui, Kadia Toukone, l'accompagnement des hommes de médias est aussi important pour sensibiliser la population sur la bonne gestion des ressources en eau, cette denrée sans laquelle la vie est impossible. Réunit les acteurs évoluant dans le domaine. Ils évaluent les eaux souterraines du Mali et définissent les activités à mener courant 2024 dans le cadre du programme hydrologique intergouvernemental. Ba Traoré était présent à l'ouverture de la rencontre pour Mali Actualité. L'eau est source de vie et c'est pourquoi il convient de mettre en pratique des méthodes pour sa bonne gestion. Le PHI, Programme hydrologique intergouvernemental, a été mis en place pour cette gestion efficiente de l'eau. Il s'agit d'un instrument de coopération scientifique de l'UNESCO dédié aux ressources en eau. Il permet d'améliorer la connaissance des acteurs du secteur dans l'optique d'une bonne gestion des ressources en eau. Professeur Diallo Kadia Maïga, représentante de la Commission nationale malienne pour l'UNESCO et l'ISESCO. En 2021, on a été élu au PHI et au niveau de l'UNESCO siège. Et notre rôle était de tout faire pour que le Mali soit élu à cet organe de l'UNESCO qui permet d'améliorer nos ressources en eau. Créé en 1975, le programme hydrologique intergouvernemental est exécuté sur 10 ans avec des thèmes appropriés. Pour la 9e phase du programme hydrologique intergouvernemental, le thème est « La science pour un mode où la sécurité de l'eau est assurée dans un environnement en mutation ». Sekou Diara, directeur national de l'hydraulique. Au cours de cet atelier, vous serez amené à échanger sur l'état des lieux de la création du comité national PHI Mali. Le programme hydrologique intergouvernemental, son fonctionnement et les mécanismes de collaboration avec les autres PHI au niveau international sous-régional. L'état des lieux des eaux souterraines du Mali, forces et faiblesses du suivi des eaux souterraines au Mali. Le concept et les principes de la gestion intégrée des ressources en eau en lien avec le PHI Mali. Les activités concrètes à mettre en œuvre dans les cadres du PHI Mali au cours de l'année 2024. La rencontre de 2 jours sera sanctionnée des recommandations qui permettront d'améliorer la gestion des ressources en eau. Sur la scène internationale, en République démocratique du Congo, le président sortant Félix Tshisekedi succède à lui-même. Il a été réélu avec plus de 73% des voix. La Cour constitutionnelle a validé hier les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier, proclamée par la Commission électorale nationale indépendante. Toujours en RDC, si le débat sur la présidentielle est clos, tel n'est pas le cas pour les législatives, dont les résultats ne sont pas encore publiés. Mais l'auto s'y resserre autour de 82 candidats dont les suffrages ont été annulés par la Commission électorale nationale indépendante. Motif, les fraudes, la corruption, la violence ou encore la détention des machines de vote. Les procureurs généraux près la Cour de cassation leur interdit désormais de quitter les territoires et les antennes de la Direction générale des migrations ont reçu des instructions dans ce sens. L'Union européenne va envoyer une centaine d'observateurs électoraux au Sénégal pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Cette mission d'observation sera composée d'experts de Norvège, de Suisse et du Canada. Ce sera la 3e fois que l'UE envoie des observateurs pour suivre un scrutin dans les pays, preuve de la relation de confiance entre l'Europe et le Sénégal, selon le porte-parole de l'UE pour les affaires étrangères. La chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, entame ce jeudi une visite dans 4 pays africains, selon une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Elle est attendue en Égypte, en Tunisie, au Togo et en Côte d'Ivoire pour parler de la coopération. Après cette tournée africaine, elle ira également au Brésil et en Jamaïque. Le Maroc prend la tête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour l'année 2024. Le représentant du Royaume aux Nations Unies à Genève a été élu hier à la présidence de l'organe. Dans son discours, le nouveau président du Conseil des droits de l'homme, Oumar Zaïber, a dit vouloir œuvrer à la promotion, au respect et à la garantie des droits humains. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier une résolution exigeant les Houthis de mettre fin à leurs attaques en mer Rouge. Au même moment, les bombardements israéliens dans le sud et le centre de la bande de Gaza se poursuivent. Israël a promis à son allié américain de passer à des frappes plus ciblées pour préserver les civils et de retirer une partie des troupes de l'enclave assiégée.
Cannes, Côte d'Ivoire 2023, les aigles du Mali en route. Avant leur départ pour Korogo, ils reçoivent cet après-midi à Koulouba des mains du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, le drapeau national. Ce sera à la faveur d'une cérémonie aux saveurs à la fois sportive et patriotique. Nous restons en football pour parler de la sixième journée en retard du championnat national de Ligue 1 qui opposait les stades maliens de Bamako à l'US Bukoba. Un match remporté par les Blancs de Bamako par 2-0 qui se hisse désormais à la deuxième place. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Tchenou. Les aigles du Mali continuent leur préparation à Kabbalah. Déjà ce matin, les joueurs et leur encadrement technique recevront des mains du président de la transition, chef de l'État, le drapeau national. Une remise à travers laquelle le colonel Assimi Goïta mettra en mission officielle notre équipe nationale. Occasion pour la Fédération malienne de football pour remettre au président de la transition le mot du premier supporter des aigles. Dans la soirée, les aigles s'envoleront pour Abidjan avant de rallier Korogo où ils joueront leur rencontre de poule. Tout comme le Mali, les pays qualifiés pour cette Cannes en Côte d'Ivoire continuent leur préparation. Cet après-midi, l'Afrique du Sud, un des adversaires du Mali à la Cannes, répétera ses gammes devant le Lesotho avant de rallier sa base. Hier, le Burkina Faso a battu la Congo par 2-1. La Tunisie a eu raison du Cap Vert 2-0. La Tunisie également un des adversaires du Mali. Ce qui est sûr, les plus grands footballeurs du continent se sont donné rendez-vous pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Tous rêvent de brandir le trophée dans le ciel d'Abidjan au soir de la finale. Il faut noter que le Sénégalais Sadio Mané, le Marocain Yacine Bounou, l'Ivoirien Sébastien Aller, l'Algérien Idriss Mahrez, le Guinéen Sirou Girassi, l'Égyptien Mohamed Salah, eux, le Nigérien Victor Osimhen, seront les plus attendus. Sur le plan national, le championnat national de Ligue 1 se poursuit. Au cours de la sixième journée en retard, le Sablé de Bamako a battu l'US Bukoba par 2-0. Une victoire qui permet au Blanc de Bamako de remonter à la deuxième place du classement malgré trois journées en retard. Pour ce qui est de la troisième journée, elle se jouera dimanche et lundi. Nous reparlons de la Cannes Côte d'Ivoire 2023 dans notre série de présentations des équipes participantes. Focus aujourd'hui sur le groupe F. Il est composé de la RDC, du Maroc, de la Tanzanie et de la Zambie. Ce groupe est jugé par bon nombre d'observateurs comme l'un des plus élevés de la compétition. Famourou Diourté nous aide à comprendre les forces en présence. Les matchs du groupe F de la CAN 2023 se dérouleront à San Pedro, à l'exception du match entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo, troisième journée qui aura lieu à Korogo. Les Taifa Stars de la Tanzanie sont l'une des équipes montantes du football africain. Après avoir pris part aux phases finales de 1980 et 2019 de la CAN, la Tanzanie fait sa troisième apparition dans le tournoi. Malgré qu'il n'y ait jamais dépassé l'étape des phases de groupe, les Taifa Stars ont été une épine dans les bottes des grandes nations. Accrochés 1-1 lors de l'édition de 1980 au Nigeria, la Côte d'Ivoire en sait quelque chose. Comptant sur le collectif de son équipe, Adel Amrouche devra briser la malédiction que traîne la Tanzanie. En 6 matchs disputés lors des phases finales de la CAN, le pays d'Afrique australe n'a jamais remporté la moindre victoire. Les Chipolopolo de la Zambie sont l'une des équipes à craindre dans ce tournoi en Côte d'Ivoire. Ils ont remporté le tournoi à la surprise générale en 2012, un moment de gloire dédié aux héros tragiquement disparus du terrible accident d'avion en 1993. Les Zambiens seront à leur 15e participation à la CAN. La Zambie cherchera à créer une nouvelle sensation pour leur retour dans la compétition après 3 éditions d'absence. Grande nation du football africain, le Maroc l'est moins à la CAN. En 18 participations, son nombre d'étoiles reste coincé à une. Une véritable anomalie que le royaume chérifien entend réparer. La première participation du Maroc à une CAN date de 1972 au Cameroun. 4 ans après, il était champion d'Afrique en Éthiopie. Champion d'Afrique en titre, le Maroc va sortir au premier tour en 1978 au Ghana. Meilleure nation africaine à la Coupe du Monde 2022 au Qatar et actuellement premier pays en Afrique dans le classement FIFA, 13e, le Maroc sera très attendu en Côte d'Ivoire. Sauf que la CAN réussit moins aux pays maghrébins hors de leur zone géographique. D'ailleurs, seuls le Maroc et l'Égypte sont parvenus à le faire. Le royaume chérifien court derrière un titre continental depuis maintenant 23 éditions. Et si la CAN 2023 est l'année de la rédemption pour les Lions de l'Atlas du Maroc? La République démocratique du Congo est de retour dans le tournoi après avoir raté l'édition précédente. Les Léopards feront leur 20e apparition dans l'histoire de la CAN en Côte d'Ivoire. Championne en 1968 et 1974, la RDC reste toujours une équipe surprenante. Lors de leur dernier tournoi en 2019, les Léopards ont échoué en 8e de finale contre une remarquable équipe de Madagascar. L'attaquant de Galatasaray, Cédric Bakambu, reste l'homme à abattre dans l'effectif dirigé par Sébastien Desabre. Chronique judiciaire. Après quelques mois d'arrêt, la chronique judiciaire signe son retour avec une nouvelle voix et un nouveau style.
Le premier numéro de ce jeudi nous amène aux cours et tribunaux, pas pour assister à un jugement, mais plutôt pour nous édifier sur la portée de la rentrée solennelle de ces juridictions. Ce rendez-vous annuel intervient après les vacances qui s'étendent du 1er juillet au 30 septembre. La cérémonie solennelle est toujours présidée par le premier magistrat du pays, à savoir le chef de l'État. Retour sur la rentrée judiciaire 2023 qui avait pour thème « La justice et la citoyenneté dans les Maliens nouveaux » avec Gary Boupérou. Après les vacances, c'est la rentrée. Cette tradition admirable à périodicité annuelle permet à la famille judiciaire de faire les bilans de l'exercice écoulé, surtout au niveau de la Cour suprême. C'est la loi portant le statut de la magistrature qui prévoit cette reprise des activités des membres des professions juridiques et judiciaires. Noum Boiré, secrétaire général de la Cour suprême. La loi sur la Cour suprême fixe la date des vacances judiciaires du 1er juillet au 30 septembre. À la fin de ces vacances judiciaires, il est organisé une cérémonie, une audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux à laquelle sont conviés tous les magistrats qui viennent en robe, les greffiers aussi seront en robe, les avocats avec à leur tête les bâtonniers, les membres des professions juridiques et judiciaires. Cette rentrée des cours et tribunaux vient consacrer le début de la reprise des activités. Durant les vacances judiciaires, il y a moins d'activités. Souvent, il y a une audience par mois et les audiences sont limitées. On s'attire généralement quand il y a des causes urgentes, comme les référés, les pensions alimentaires, les demandes de mise en liberté. La rentrée judiciaire, à la différence des autres, propose un thème. Thème qui fait l'objet d'une communication à laquelle chaque magistrat participe. Nous sommes dans un régime parlementaire, c'est un régime de séparation souple des pouvoirs. Donc il doit y avoir une certaine collaboration entre les différents pouvoirs. Ce qui fait que c'est à l'occasion de cette rentrée que vraiment les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs judiciaires se retrouvent autour d'un thème. Et chacun va donner sa solution. Rendu au nom du peuple, les magistrats évaluent les préoccupations du peuple. C'est dans ce contexte que le thème de la rentrée 2023-2024 a porté sur la justice et la citoyenneté dans le Mali nouveau. Noum Boiré, secrétaire général de la Cour suprême. Le Mali a besoin d'un citoyen nouveau. Ce citoyen nouveau, c'est celui qui connaît ses devoirs et ses obligations, bien que la citoyenneté confère des droits, comme le droit de vote, le droit à un traitement égalitaire. La citoyenneté contient aussi des devoirs, le devoir de respecter la chose publique. Donc, un juge est avant tout un citoyen, et c'est le citoyen qui devient un magistrat. Donc, on voit que la justice vraiment joue toute sa partition dans l'œuvre de refondation nationale qui a été enclenchée par le peuple malien. La rentrée des cours et tribunaux met en évidence l'implication de la justice dans l'œuvre de la refondation. Elle engage les acteurs à trouver des réponses juridiques nationales adéquates. En clair, il s'agit de bâtir une justice de proximité efficace de nature à restaurer la confiance des justiciables. À 13h, passé de 17 minutes à Bankas, dans la région de Badjangara, on s'arrête là pour cette deuxième édition de Mali Actualité qui vous a été servie par un trio Traoré. À la mise en ligne, Ségou Traoré, aux manettes, Bintou Traoré, devant ses micros, Brahma Traoré. Retrouvez tout à l'heure Fatima Damélé pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis et passez d'excellents moments en notre compagnie.